Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatching make-up de cette palette. Donc, c'est une palette que j'ai eue dans le swap de la part de Manon. Donc, je vous remets le swap en barre d'infos et... la chaîne de Manon et la première partie du crash test du swap de Manon. Bah, je vous mets toutes les vidéos qui sont en lien avec le swap en barre d'infos. Voilà. Et donc, voici les couleurs. Alors, cette palette, c'est vrai que, par contre, qu'est-ce qu'elle est lourde, je n'en reviens pas. Elle est super, super, super lourde comparée à la Book of Magic. Vous avez un miroir classique et un grossissant, ce qui est pas mal, mais pas fort utile pour moi, je ne m'en sers pas. Donc, c'est celle en collaboration avec Niki Tutorials. Et je ne vois pas la quantité. Oh, c'est écrit là, mais en tout petit. 20 fois. Bon, attendez. Binocle. Preset Pigment Palette, 20 fois 2,3 grammes. Donc, c'est énorme. C'est une très belle quantité de fard. Vous en avez donc 20 dedans. Maintenant, j'ai beaucoup hésité sur cette palette quand elle est sortie. Je l'attendais à la collab avec Niki Tutorials. Mon serre-tête me fait mal derrière les oreilles. Je me disais, ouh, ça va être un truc de malade. Et quand elle l'a montré, quand elle a fait le reveal, j'étais là, mais what? On reconnaît pas trop Niki Tutorials. Si, le packaging est sublime. Sublime, sublime. En plus, il y a un petit loup ici. Voilà, vraiment magnifique packaging, très 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 quali, mais je trouvais que les teintes n'étaient pas vraiment en rapport avec elle, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, je l'ai trouvée un peu fade par rapport à ce qu'elle peut faire en make-up, et tout le monde me disait, mais si rien que les lumineux, ça vaut le coup. Donc les lumineux, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 20, donc c'est une très très bonne moyenne par rapport au mat. Mon serre-tête me fait trop mal, non, je vais l'enlever. Je vais en mettre un autre juste pour faire le make-up. Pour pas avoir. Je vais mettre mes petites oreilles de chat. Hein, pour pas avoir mes cheveux dans la face. Donc on va mettre les petites oreilles de chat. Celui-là au moins me fait pas mal. Voilà. Donc. Voilà. Je la trouvais très fade. On va dire ça comme ça. Parce que le coloré. Vous avez un bleu, un vert, un rouge, un jaune, un orange, un rose, un prune. Après, il y a deux marrons. Un beige, un saumoné, un bleu ciel. Voilà, les couleurs ne sont pas extraordinaires pour Niki Tutorials. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que les lumineux sont assez... ouf. Quand j'ai fait les swatchs, je me suis dit ouf. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on peut attaquer le make-up. Parce que je blablate, mais ça ne sert à rien. Oh, I'm dancing forever under the beautiful skies. Donc, vous avez vu que les lumineux au swatch sont vraiment très, 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 très jolis. Donc, je vais tester le... oh, je ne sais pas lire les teintes. Ivy, peut-être, ici. Je vais le tester en highlighter. Je n'ai pas mis d'highlighter. Voilà. Et ce genre de teinte en highlighter, ça passe crème. Donc, on va essayer ça. Ouais, bon. Au pinceau... Bon, ça fonctionne, mais c'est assez discret. Après, je vais peut-être prendre un moins souple. Attendez, hein. On va y arriver. Hein. Je vais finir par trouver. Je vais prendre celui-ci, il est un petit peu moins souple. Il prélève un peu plus la matière. Ouais. C'est bon. C'est pailleté. Mais c'est pas non plus un glow de foufou pour un highlighter. Bah, ça passe, hein, mais... Je préfère quand c'est un peu plus... étincelle de folie, quoi. Mais ça marche. Ça fonctionne. J'ai déjà poudré mon arcade avec mon fard beige habituel parce que ici, il est un peu trop...
trop foncé. Enfin, il est un peu trop couleur de ma peau, en fait. Donc, il ne sera pas très illuminateur. Mais si vous n'en avez pas d'autres, vous pouvez très bien utiliser celui-là. Ça ira très bien. Bref, donc je commence avec un 231. Là, c'est un Jessup, mais c'est pareil. Et je vais prendre la teinte Slasher. Le prune ici, qui est prune aubergine, comme ça, qui est juste divin, magnifique. Et je vais le mettre sur la partie externe de ma paupière. Donc la qualité Beauty Bay n'a plus à faire ses preuves, n'est-ce pas? C'est vraiment une qualité de foufou. C'est un truc de dingue comment ça déboîte sa mère. Pareil, je fais la moitié de mon ras de cils. Oh, cette couleur est sublime. Magnifique. J'adore. Donc je commence déjà à estomper tout le tour, hein, dans le creux, la paupière. Le tour de mon dieu, quoi, ça se dégrade tout seul. De toute façon, les fards Beauty Bay, c'est vraiment une qualité exceptionnelle aussi. Hein. Franchement, moi je les remets à la même qualité que les Be Perfect, pour beaucoup moins cher. Enfin, quoi que celle-ci était chère, hein, était 30 balles quand même. Hein, j'ai trouvé que c'était cher pour du Beauty Bay, quoi. Après, c'est, je vous dis, la qualité justifie un peu le prix, hein. Mais ça se dégrade tellement tout seul, quoi. C'est un truc de fou. Alors, avec un autre pinceau crayon, mais plus précis, donc là, c'est un 230, je vais prendre la teinte Rédemption, qui est juste ici. Celui-là, ils sont un peu poudreux, quand même, hein, donc faites attention. Hein. Que je mets sur la partie interne de ma paupière, enfin, sur la moitié interne. Donc, pareil, je commence à estomper dans le creux, et les deux teintes ici, entre elles. Dans le creux aussi. Et on n'oublie pas la partie interne du ras de cils. Ils sont vraiment, vraiment poudreux par contre. Hein. Alors, avec un pinceau estompeur, mais assez fin, je vais prendre la teinte jaune qui est là. Voilà. Voilà, ici, jaune néon. Pour dégrader la partie orange, bien évidemment. Pareil sur la partie interne. Du dessous. Ok, avec un autre pinceau estompeur. Donc, je prends la teinte à côté, je sais pas dire, Blenden. Swap, je crois, je sais pas dire. Donc le rose ici, magnifique rose, pour dégrader la partie prune. Ce rose est magnifique. Après, c'est des couleurs qui s'accordent bien entre elles, quoi. C'est ça qui est bien. Vous avez le jaune pour dégrader l'orange, le rose pour dégrader le prune. Vous avez ici pour dégrader les marrons, le rose, vous pouvez dégrader le rouge aussi, enfin voilà, le bleu ciel ici, il n'y a que le vert qui n'est pas dégradable, voilà. J'aime beaucoup le mélange de ce prune et de ce rose, très beau. Du coup, mon top, il fait vachement plus rose que orange, parce que je cherchais un top orange comme ça, mais... Parce que je savais que j'allais l'utiliser, mais j'ai pas trouvé. Ouais, bon, j'en ai pas. Donc je reprends le premier pinceau pour réintensifier mon prune. Et bien dégrader dans le rose. Et je termine avec un gros coup d'estompeur propre. D'abord, je reprends l'orange pour dégrader aussi en jaune. Ok. Alors, je prends un petit pinceau langue de chat comme ça. Et du coup, je vais reprendre la teinte... non, on va tester celui-ci, tiens, Underground, ici, pour mettre en coin interne. Il est très pailleté, celui-là. Il est beau, bien pailleté, bien lumineux, donc c'est joli. Je garde le même pinceau, et du coup, je reprends quand même la teinte Ivy, pour mettre sous mes petites chenilles, pour faire des verres luisants. Alors, c'est le genre de teinte qui s'applique plus facilement aux doigts. Parce qu'elle est assez crémeuse. Et sinon, ça fait des paquets. Oui, on voit, c'est carrément comme de la plasticine. Le doigt s'enfonce dedans. Alors, écoutez, j'en prends encore un peu. Et j'en mets tout le tour, en fait. De là où j'ai mis du rose. J'ai envie. Donc, je reprends celui-ci pour quand même blender un minimum. Alors, toujours au doigt, je vais prendre la teinte... Aura, ici,
qui est un pêche corail, pas corail, ouais, c'est pêche. Et je vais mettre ça au centre de ma paupière, donc je déborde sur les deux teintes. Donc j'essaye même pas au pinceau, hein, parce que c'est vraiment des trucs à travailler au doigt. Et avec les premiers pinceaux, je blende sur les côtés. Ok, je reprends le underground ici et je fais pareil. On rajoute, on va avoir 15 000 couches. Voilà, c'est très beau. Du coup, je prends le jaune pour dégrader ici. De toute façon, il n'y a presque plus de pigment dessus. Et je prends le rose pour dégrader ici. Voilà, bah écoutez. On va laisser ça comme ça pour les fards. On est bon. Voilà. Donc forcément, je ne peux pas tout tester d'un coup. Hein, parce qu'il y en a quand même 25. 20. Donc c'est énorme. Mais enfin, c'est une très belle quantité de fards. Aussi bien en poids individuel que dans la palette. Bref. Je raconte n'importe quoi. Alors, je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Attendez, je sors mon petit bordel. Pendant que ça transfère, je fais mon trait de liner avec le liquid ink. Donc, je reviens. Ok pour le liner. Alors, attendez, je me fais un peu de place, hein, parce que j'ai foutu du bordel partout. Partout, partout, partout. En muqueuse inférieure, je vais mettre le orange, comme ça, des obsessions. Du coup, je dégaine ma palette de chez AliExpress, donc je vous remets le crash test en barre d'infos et je vais prendre le orange néon juste ici. Donc c'est des liner cake, hein. Je vous dis pas ce que c'est, mais normal. Donc je vais faire un trait orange sous la queue de mon liner. Ok. Pour mon pinceau, c'est le cône spécial petit point. Je vais faire des petits points orange à droite à gauche. Est-ce que j'ai exagéré avec les petits points? Non, jamais trop. Et du coup, je vais prendre la couleur prune qui est juste ici au-dessus. Et je mets donc le prune dans le creux. Voilà, je crois qu'on va se calmer, hein, mais avec les petits points. Hein. Recourbe de cils, donc bah, voilà quoi. Mascara, je vais mettre le Lash Brack de chez Anastasia sur les cils du haut, sur les cils du bas, le Vicious de chez Nabla comme d'habitude. Et sur les lèvres, je vais mettre donc le NYX Nude parce qu'il est nude. Et je vais tester le gloss, enfin, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Fenty que moi j'ai jamais essayé. C'est avec Manon, donc comme ça je vais le tester. Et c'est la teinte Underweight. Underweight. Underrated en franglais. Voilà. Donc je vais secouiller, secouiller, secouiller parce qu'elle m'a dit qu'il fallait bien le secouiller. Et puis je fais ça et je viens vous remontrer ce que ça donne. Donc voilà ce qui conclut le look final. Alors, j'adore la couleur. Magnifique couleur. J'en ai pas sur les dents. Ça a l'air d'aller. Il sèche super vite. Alors, moi, j'ai pas trouvé l'applicateur trop, trop, trop chiant. Ça a juste un peu bavé dans mes commissures, comme d'hab. Même avec le crayon, hein, ça, voilà. Donc là, ça fait une toute petite tache. Mais ça va encore. De loin, ça se voit pas trop, mais alors la couleur est sublime. Je suis ébloutie. J'adore. Oh, c'est beau. Merci Manon, il est magnifique. Et voilà, je ne l'ai pas trouvé plus difficile que ça à appliquer. Hein. Voilà. Et pour la palette, bah, écoutez, j'aime beaucoup. Franchement, c'est la qualité Beauty Bay, donc il y a zéro surprise.
Bien sûr, j'ai pas testé toutes les teintes. Hein. On est resté dans le orange prune. Un beau make-up nude avec, ça doit être sympa aussi avec ce genre de teinte au centre de la paupière ou en semi-queue de cuisse. Voilà, cette teinte-là a l'air juste magnifique aussi. Ouais, les lumineux, franchement, ils sont canons et les mats sont de super bonne qualité. Maintenant, ils sont hyper poudreux, alors qu'ils n'y sont pas dans la Book of Magic. Donc ça, c'est extrêmement bizarre, mais c'est la vie. Et les lumineux sont vraiment une texture mousse comme ça, donc il faut les prélever au doigt parce que au pinceau, à l'embout mousse à la limite, ou au pinceau, vous devez prendre un pinceau plat et tourner dedans en fait pour prélever le maximum de paillettes et de fards. Moi, je trouve que le doigt, ça va beaucoup plus vite et puis ça évite d'avoir des paillettes partout sur ces pinceaux. Mais voilà, je suis ravie, je suis bien contente de l'avoir enfin, même si j'hésitais énormément à la prendre, hein, comme je vous l'ai dit, une fois que je la voulais, une fois que je la voulais plus, une fois que je la voulais, une fois que je la voulais plus. Maintenant, comme disait Manon, je l'ai, point. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc, je suis bien contente de cette petite palette encore. Il nous reste donc celle-ci à tester, qui fait partie du swap aussi. Ce sera juste une palette à make-up, hein, parce qu'il y a énormément de fards, donc on fera juste une palette à make-up avec, et ce sera le prochain make-up que vous verrez. Demain, vous aurez une autre vidéo, je crois que c'est pour jeudi. Jeudi que je voulais préparer, je crois, je ne sais plus, mais bon, vous verrez bien, puisqu'on se retrouve tous les jours de toute façon, donc il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette et si vous l'aimez, et si vous aimez le make-up, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc demain avec une autre vidéo où j'aurai le même make-up. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.